L'inauguration du musée des rois à Fumban du 12 au 14 avril 2024 est une occasion de magnifier un peuple, une tradition, une culture qui s'est construite au fil des siècles, dont le socle et le symbole sont inamovibles pour les Bamoun à travers une dynastie. Dans quelques jours, nous allons assister à cette inauguration qui est en quelque sorte une histoire renouvelée du peuple Bamoun qui aujourd'hui compte plus de près de 700 ans d'histoire. Dites-moi un peu. Un peuple de plus de 700 ans d'histoire. La traçabilité du passage de ces grands hommes, c'est là devant nous. Il faut que les Bamoun soient fiers. Fiers de leurs origines. Parce que quelqu'un aurait dit, oui, les musiciens, être Bamoun, c'est un métier. C'est pas mal dit. Et le sultan a dit que lui-même, il est l'employeur. Et c'est vrai. Nous sommes les grands artisans. Les grands artisans. D'ailleurs, si un peuple n'est pas remarquable, si un peuple n'est pas exceptionnel, si un peuple n'est pas au-dessus de la mêlée, le président de la République de France, M. Chirac, ne pouvait pas, lors d'un discours, dire que le peuple Bamoun, ce peuple d'histoire, c'est le président Chirac qui a dit. Un événement tributaire d'un engagement, d'un legs à la postérité, tout en aspirant à l'unité des fils et filles au développement de leur communauté, d'où l'appel d'un digne fils à l'endroit de ses pères. J'invite nos élites, nos parents, à venir développer, non seulement pour eux, mais pour l'amour de leur village. Ils sont comme les ambassadeurs du peuple Bamoun, dont ils doivent tout faire. D'abord, je vois comment certains sont en train d'encourager la connaissance dans le Noun, en construisant des écoles. Et il y a des associations comme Arisono, comme Bamoun de Cœur, qui sont en train de faire des démonstrations très fortes. Et aussi, le ministre Joya Zakaria est en train de faire, comme il se doit, le directeur général de la Socopao, Monsieur Chung-Chafit Maman, est en train aussi de faire. Et hier aussi, c'était Bamoun, comme le titan fond Jiyap, hein, le titan fond Le Tangou, le titan fond Ndam, le titan fond Ndam Jitoyap, hein, qui sont des grandes élites, qui peuvent faire. Ils sont capables de le faire. Et bien d'autres que je ne peux pas me mettre à citer tout le nom ici. Et il y a le docteur Sangou Tiedor qui ne ménage aucun effort. Il y a Titan Fondi Lamer, hein, l'ancien ministre. Hein. Il y a tous ces gens-là. Je les invite à s'unir pour combattre le chômage dans le département du Noun. Je sais qu'ils peuvent. Ils ont le cœur. Comme un seul homme, il invite les uns et les autres à fédérer leurs énergies autour des idéaux de paix et de concorde nationale, en prenant appui sur les réalisations faites par les leurs. Puisque je veux qu'il y ait cette cohésion entre les filles et fils du monde, qui parlent le même langage. Ceux qui font bien, qu'on les encourage, comme Carrefour. Si aujourd'hui j'ai un message à passer, je ne vais pas aller me taper la tête s'il n'y avait pas les nôtres qui peuvent le faire. Comme M. Moulo, le PDG, à qui je tire un coup de chapeau et je demande solennellement aux Bamoun de le soutenir. Parce qu'il faut le faire. Moi, je sais de quoi je parle. Je connais ce monsieur. Je connais. Il peut faire beaucoup de choses. Mais quelque part, on le décourage. Même l'agriculture qu'on est en train de parler là-dessus, il peut faire beaucoup de choses par rapport à ça. Mais si vous le découragez, il fait quelque chose, vous dites qu'il n'a pas fait, vous parlez derrière, vous racontez des histoires. Consolider les acquis depuis des siècles devient un credo pour tous. Afin que le peuple reste toujours debout,
et fier de son patrimoine.